الإخلاء من الكربون ناتج أولا عن رؤية وتوجيهات ملكية سامية من أجل تموقع المغرب ضمن الدول الرائدة في مجال التنمية المستدامة، وأيضا تقوية تنافسية وسيادة البلاد، السيادة الطاقية والسيادة الصناعية. اليوم المغرب يتوفر على منظومة صناعية قابلة على إخلاء الكربون، وإخلاء الكربون سيمكن المنظومة الصناعية من تقوية التنافسية والجاذبية والمجال ديالها في الأسواق العالمية. Aujourd'hui, nous parlons de décarbonation de l'industrie qui est importante pour plusieurs raisons. D'abord, une raison économique. C'est accompagner les industriels pour baisser leur facture énergétique. Faire de l'efficacité énergétique, c'est baisser sa facture énergétique. Utiliser les énergies renouvelables, c'est baisser sa facture énergétique. Le deuxième point est environnemental. C'est émettre moins de gaz à effet de serre, donc moins de carbone. Donc, profiter de ce qui se passe aujourd'hui au niveau international, et on parle de taxe carbone aux frontières, dire qu'au Maroc, on peut avoir utilisé de l'énergie verte, compétitive et décarbonée. Donc, être plus compétitif sur le marché international. Aujourd'hui, on est plutôt dans une démarche économique, puisqu'aujourd'hui, c'est le sujet, c'est la décarbonation. On était sur un sujet, c'est devenu économiquement très intéressant. On pouvait avoir un retour sur investissement très, on va dire, assez rapide. On pouvait, quand on est dans un schéma où c'est quelqu'un d'autre qui vous vend de l'électricité solaire, on pouvait avoir des prix très intéressants, beaucoup moins cher, enfin, moins cher, on va dire, que le prix du réseau électrique. Et aujourd'hui, la décarbonation devient une menace aussi pour la compétitivité des entreprises. Très heureux de pouvoir participer à ce panel sur les impacts et les enjeux de la décarbonation, notamment dans l'industrie. Aujourd'hui, c'est à la fois un impératif, comme on le verra ce soir, parce qu'il y a des mécanismes d'ajustement de carbone aux frontières de grands marchés qui sont des produits de destination pour les entreprises marocaines. Et puis, c'est aussi une formidable opportunité pour le Maroc, qui a la proximité géographique et puis une grande ambition sur tout ce qui est énergie renouvelable, de pouvoir proposer toute une série de produits et de services décarbonés.